Bonjour, ici Stéphane, on se retrouve pour une vidéo. Ma vidéo spéciale collection PSP, mes amis, je vais vous montrer mes 50 jeux PSP. Voilà, j'en ai 50. J'espère que qui va vous plaire. On va commencer par le premier jeu, hein, par une très belle pièce. Je vais vous présenter le Lord of Arcania. Voilà, j'ai la version collector un peu. Hein. Voilà, une des plus belles pièces que j'ai sur la PSP. Je sais, il y a des autres jeux hein, qui sont en format comme ça. Mais bon, moi, je prends les jeux que j'aime. Et j'essaie de trouver hein, les jeux en normal en plus. Mais voilà, enfin, je suis extrêmement content de le posséder, ce jeu-là. Un très bon jeu. Voilà quoi. Après, on va commencer les jeux déjà hein, pas série hein. Que les jeux que j'ai pas trouvé la série ou les jeux seuls quoi, voilà. Après, c'est le Full Metal Alchemy Brotherhood, c'est là pour mon anglais de merde, voilà. Un jeu inspiré par un manga hein, voilà. Un jeu de baston en plus, c'est. Je crois que c'est un jeu de baston. Après, si je raconte des conneries, encore, excusez-moi, quoi, mais voilà. Après, le Driver 76. Très bon opus, hein, mes amis. J'ai fait ça il y a très bien longtemps. Très bon opus. Un jour, hein, si je peux faire des let's play avec la PSP, je vous ferai ça. Un très 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 bon opus PSP quoi, voilà. Après c'est le Tom Clancy Ghost Recon Predator, un bon petit jeu tactique hein, tout ça, voilà, je vous le conseille aussi, très bon petit jeu tactique, voilà. Après un petit jeu de combat, c'est le Dark Sector Chronicle. Excusez-moi pour mon anglais, merde. Excusez-moi. Voilà, un très bon petit jeu de combat, mes amis. Je vous conseille vraiment celui-là. Puis c'est un jeu inspiré par. Il est sorti sur la PlayStation. Ils l'ont remis sur la PSP, un très bon jeu de combat, mes amis, je vous conseille vraiment. Après, le Call of Duty, les chemins de la victoire. Voilà, chemin de la victoire, mes amis. Après, celui-là, je ne l'ai pas fait, je peux pas vous dire comment il est. Voilà, moi, c'est un Call of Duty. Hein. Après, le fameux Gran Turismo. Voilà, Gran Turismo. Celui-là, je ne l'ai pas fait encore. Je ne sais pas s'il est basé à du premier opus sur la PlayStation. Mais c'est un Gran Turismo. Hein. Voilà, on sait comment on doit faire, tout ça. Voilà, quoi. Après, le Assassin's Creed Bloodlines. Celui-là, je l'ai fait. C'est un très bon opus, mes amis, de la PSP. Pour moi, hein. Une très belle histoire avec Altaïr. Un très bon Assassin's Creed hein, pour moi, je vous le conseille vraiment. Après, c'est le Killzone Libération. Celui-là, je l'ai fait ça. Je l'ai fait celui-là en long play, mes amis. Je vous le conseille vraiment. Un très 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 bon jeu. C'est un peu à la style au-dessus. Un jeu de tir en fait. Hein, c'est complètement différent que les Killzone qu'on connaît, hein, FPS, tout ça. Je vous le conseille vraiment, celui-là, un très 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 bon opus, mes amis, voilà. Après, le petit secret agent Clank. Petit secret agent Clank, mes amis, voilà, un petit opus Ratchet & Clank, hein, voilà. Très bon opus, celui-là. Je vous le conseille vraiment, voilà. Ah, c'est rare que j'ai dit jeu RPG hein, de mes jeux
PSP, mais là j'en ai un, là c'est Tales of Eternia. Voilà, un petit Tales of. J'en ai pas beaucoup de Tales of, hein, à part le Tales of Symphonia sur la GameCube et celui-là, je crois que j'ai que les deux là. Voilà. Mais un très bon opus, mes amis. Voilà. Après, le Daxer, le copain de Jack. Hein, voilà. Pareil, j'ai le Clank et le Daxter là. Pareil. C'est pareil qu'avec le Clank. Un excellent opus, mes amis. On incarne Daxter. Voilà, un très bon petit jeu d'aventure. Je vous le conseille vraiment. Et voilà quoi. Après, c'est un petit jeu de. Ça, je l'ai pris dans un doigt, je crois. C'est le All-in Chasse Kingdom. C'est un petit jeu d'échecs. Un petit jeu d'échecs. Voilà. C'est un jeu voilà, pour la collection. Quoi. Je ne vais pas le revendre pour un centime. Mais je le garde pour la collection. Voilà. Puis j'aime bien la jaquette. Je la trouve pas trop mal. Voilà. Après, j'ai le Sega Mega Drive Collection avec des jeux Mega Drive en portable. C'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Des fois, je pars au Portugal. Je le prends plus souvent celui-là. La dernière fois, j'étais au Portugal. Je l'ai pris ça avec ma PSP. J'ai pris que ça et ouais, ça me va. En plus, il y a pas mal de bons de plus. Hein. Il y a voilà, les jeux. Hein. Regardez, je vous montre les jeux qu'il y a dedans. Il y a des très bons jeux dedans. Voilà, je les ai pris quoi. Il y a les trois Golden Axe. Je croyais même pas les Street of Rage, mais c'est pas grave. Il y a les Sonic, les quatre jeux Sonic. Et voilà quoi. Ça me fait plaisir. Il y a même le Restart avec l'étoile là. Voilà. Très bon opus. Très belle compile de jeux vidéo, mes amis. Après, c'est le Warhammer 40 000 Squat Command. Voilà. C'est mon troisième jeu hein, des Warhammer 40 000. J'en ai trois hein, de la série. Mais sur un opus sur la PS3 et un opus sur la PS2, je crois. Voilà quoi. Mais un petit Warhammer, je crois que c'est un jeu stratégie. Ça. On va regarder. Hein, je crois que c'est un jeu stratégie derrière la. Voilà, un jeu stratégie, hâte de voir ça. Je l'ai eu l'année dernière, celui-là, période de Zindou. Voilà. Après, c'est un jeu d'avion, ça. Pareil, je connais pas cette licence-là. MAH. Voilà, on parle. Voilà. Je connais pas cet opus-là, mais hâte de le commencer. C'est un jeu de. D'avion, voilà. Après le parappeur, The Rapper, un petit jeu de danse. Bon, c'est un jeu pour la collection. Hein. J'aime bien la jaquette. C'est pas un jeu que je vais jouer. Pareil, c'est un jeu, j'ai eu pas un, avec un lot. C'est pas un jeu que je vais jouer. C'est pour la collection. Voilà. Ah, celui-là, par contre, celui-là, c'est le Gang of London. Ça, c'est un jeu. Par les créateurs de qui ont fait les jeux The Gateway sur la PS2, c'est la suite quoi. C'est la suite de The Gateway, le 1, le 2 et le 3. Et ça, c'est leur dernier jeu, hein, je crois, de la licence. Hein. Avec tous les personnages derrière. Voilà, hâte de commencer ce jeu-là. Voilà. Après, c'est le mode Race Racing. Voilà un petit jeu de karting. Il n'y a pas de Mario Kart sur la PSP. Et voilà, ça fait partie d'un Mario Kart. Après, je sais, Ali Motor Storm sont pas trop mal sur la PSP. Mais voilà, c'est un bon opus quand même. Après, c'est le Armor Core Formule Front Extreme Battle. C'est un excellent opus. Un jeu de méga. Je vous conseille vraiment ça, c'est un très 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 bon opus de la PSP avec des très belles musiques en plus. Voilà.
Après le Medieval Résurrection, en fait c'est le tout premier, hein, je crois, hein, de la licence sur la PSP, quoi, voilà. Avec le Cortex, voilà, le nom du personnage, voilà. Par contre, je me trouve le Medieval sur la PS4, jamais me le retrouver et me le refaire. Après Résistance Rétribution, voilà. Celui-là, c'est un des plus que j'ai jamais fait. Je crois que c'est un FPS, hein, mais c'est un FPS, hein, regardez, vous voyez très bien derrière. C'est un FPS. Pareil, celui-là, c'est un jeu que faut que je le fasse. Plus la série Résistance, c'est une série que j'aime beaucoup. Plus le premier le jeu Résistance au PS4. PS3, pardon, c'est le tout premier jeu que j'ai eu sur la PS3. C'est un jeu que j'aime bien beaucoup. Voilà. Après, c'est le Soul Calibur Broken Destiny avec le fameux Kratos, le fameux jeu God of War. Voilà. Très bon jeu de combat. En plus, je croyais, il n'y a que dans cette puce-là qu'on peut incarner Kratos. Après, je sais pas sur les autres plus le nouveau Soul Calibur 6 que j'ai pas ce jeu-là. Je sais même pas s'il y est. Voilà. Et après, c'est le Dead to Right Reckoning. Voilà. Excusez-moi encore pour mon anglais de merde. Voilà. Ah là, on passe par les jeux par série, mes amis. On va commencer par les poursuites force. Le tout premier. Et le deuxième, le Extreme Justice. Voilà. Après la série des Wipeout Pulse. Wipeout Pure. Voilà. Allez, une excellente série, hein, les Wipeout. Jeu de voiture. Après la série des Mélaphonor. Eros, le tout premier là. Le deuxième. Voilà. Ouais, Mélaphonor, une excellente série de jeux de FPS. Voilà. Après la série des Metal Gear, je suis content de. Il m'en manque plus qu'un maintenant à trouver sur PSP. Là, c'est le Metal Gear Solid Portal Ops. Il manquera le plus. Il manquera, je me retrouve un jour. Après, j'ai les deux acides. Content de les avoir, ceux-là. Le Metal Gear Acide. Voilà. Aussi hein, les classiques HD, là je les ai aussi, hein, les God of War, tout ça, mais sur la PS3, c'est pour ça que j'ai 1, 2, 3, je les prends pas sur PSP, c'est ça, hein, je les ai sur la PS3. Et, mais peut-être si un jour je les prendrai ces jeux-là sur un jour sur PSP, peut-être un jour. Voilà, ben, voilà, je les ai deux Metal Gear Acid, le 1 et le 2. Après, ah, ça c'est une série que j'aime bien beaucoup. C'est le Underworld Legend Conférie de l'épée. Voilà, tu promis là. Et le deuxième, le Underworld Legend The Warrior's Court. Voilà, très bon opus ça. Après, les deux Sonic. Les Sonic. Le Sonic Rivals, tu promis. Le Rivals 2, Sonic Rivals 2, voilà. Après la série des Metal Gear, des God of, des GTA, le GTA Liberty City Story, là c'est le Vice City Story, là. Et le Shadowrun dans War. Voilà, j'ai les trois.
Content d'avoir les trois là. Après la série des Final Fantasy, il m'en manque. Hein. Il manque le 1, le 2. Il manque aussi un autre opus, je sais pas c'est quoi. Mais il faudra que je retrouve ça. Déjà, j'ai le Crazy Course Final Fantasy 7. Je crois que c'est le 7. Hein, 7. Le Final Fantasy Tactique. Le Dissidia, le tout premier là, voilà, Dissidia Final Fantasy et le 2. La suite, voilà. Très bonne série, hein, les Final Fantasy. Voilà. On arrive à la fin, là, presque. La série des Dragon Ball, voilà, la série. Des Shibudikai, le tout premier. Ah, les covers, j'adore les covers. Regardez ce cover magnifique, Dragon Ball. Et Shibudikai 2, voilà. Et le dernier, c'est le tag en équipe. Hein, voilà. Tekkaichi Tag Team. Voilà. Tout dernier. Voilà. Moi, c'est pareil, hein, les Dragon Ball, j'ai toute la série là, que. J'ai écrit les trois opus là, mais à part l'autre, il m'en manque un, mais je le prendrai pas. C'est le Dragon Ball avec le film de. Je vais dire un gros mot de merde. Voilà, je le prendrai pas celui-là. Et la série des Naruto, c'est la plus grosse série que j'ai. Voilà. Avec les trois premiers opus. Attendez. Les trois premiers opus, les Naruto Ultimate Ninja Heroes, le tout premier, le deuxième et le troisième. Voilà, et j'ai les autres, hein, le légende. Celui-là, le Crusader Live, voilà, celui-là. Et le impact. Voilà mes amis, c'est fini pour ma collection PSP. J'espère que cette vidéo a vous plu, hein. N'hésitez pas à des commentaires encore une fois sur cette collection PSP. Voilà, j'en ai 50. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à des commentaires de cette première vidéo collection 2022, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore pour les retards, j'espère bonne année à tous. J'espère vous avez passé des bonnes fêtes encore une fois. Et voilà. Allez, mes amis, moi je vais faire un petit ensemble, hein, de ma collection. Et puis voilà. Voilà, mes amis. Toute ma collection PSP là. Voilà. Bon, allez, mes amis, moi je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Je vais vous mettre derrière ma collection. Voilà. Allez, mes amis, moi je vous dis ciao. Je vous dis bonne vidéo. Et moi je vous dis ciao.